Père, nous te rendons toute la gloire. L'honneur est à toi. La magnificence est à toi. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es puissant. Nous avons tout pleinement en toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, nous venons dans ta maison pour nous ressourcer auprès de toi. Aussi, nous venons dans ta maison, Seigneur éternel Dieu de gloire, pour retrouver la communion affaiblie, attiédie avec toi. Nous venons dans ta maison, Seigneur, aie compassion de nous. Dans nos différentes occupations de la semaine, nous avons dû passer par des chemins qui ne t'ont pas toujours glorifié. Seigneur, plein de poussières se sont collées à nous. Et nous voulons les épousseter ce matin. Seigneur, afin que rien ne puisse nuire à notre communion avec toi. Et que nous puissions entrer dans nos promesses. Accomplis en nous l'œuvre de ta grâce. Par ton Esprit Saint, viens et comble-nous. Par ton Esprit Saint, éclaire-nous. Par ton Esprit Saint, vivifie-nous. Par ton Esprit Saint, ouvre-nous les yeux, les oreilles, le cœur, que nous puissions recevoir, oui, ce qui vient de toi, une vie glorieuse, afin que par nous ton royaume s'étende dans ce monde. Sois béni Père, sois magnifié Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, Alléluia. Amen. O Rabba Kandos Kaidan Mahanda Bakaraba Hoshende. Ricardo Mahanda Bakoria Dabasika Dabakata, touché à sa présence. Touché à sa présence. Oui, il est là. Oh, Abéan. Il a déclaré deux ou trois personnes assemblées, il est là. Oh, sois conscient de sa présence. Sois conscient de sa présence. Ne sois pas plus conscient de tes problèmes que de sa présence. Ne sois pas plus conscient de tes douleurs qu'à sa présence. Ne sois pas plus présent de la blessure que tu as reçue qu'à sa présence. Ne sois pas plus conscient réellement de ta faiblesse quand sa force qui est ici. Oui, il est là. Oh, Abéan. Il est là. Abéan. Il est vivant. Il est présent. Abéan. Qu'importe ce que tu ressens, qu'importe ce que tu vis, même si tout semble sombre et noir devant toi, comprends bien qu'il est là avec sa lumière pour t'éclairer. Tu ne resteras pas dans les pénombres. Tu ne resteras pas dans l'obscurité. Oh, rimangi la basi le mas pa odo boho po spidin. Ricato no do bogoria da basica la manda sili viro do bofu uro no shaire mandika yana no soro don. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ses faveurs sont toujours là. Pour toi, pour toi. Reçois ce matin cette assurance de sa part. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Tu t'es éloigné de lui, certes. Mais lui, il t'aime. Il t'attendait. Puisque tu es là devant sa face, il te dit, mon fils, ma fille, je t'attendais. Je t'attendais pour te mettre la bague au doigt.
Net me ma konna walsa ga bolan nega do itega. Je t'attendais pour manger le veau gras. Net me ma konna walsa ga michi. Oui, je t'attendais pour te revêtir en ces jours-ci. Net me ma konna walsa ga michi. Un manteau royal nouveau. Kamasa dlogo kura do ila. Oui, je t'attendais pour te chausser à nouveau. Pour te chausser à nouveau. Pour que tu aies une nouvelle vie, une nouvelle marche avec moi. Je t'attendais. Je t'attendais. Oui, tu as poursuivi les porcs dans la porcherie. Tu as dilapidé ta vie dans des choses viles et inutiles. Mais maintenant que tu es revenu à moi, je t'avais tout réservé. Prends-en plaisir maintenant. Ta part est là. Ta part est là. Entre dans la fête. Entre dans ma présence. Je ne rejette point ceux qui viennent à moi. Je ne le rejette point. Tu es venu. Inana. Orimansila. Banki mi nono sarabarabara shara makuspandode. O bobo Saint-Esprit touche. Nisenu magaula. Ta présence. Sebayala. O Saint-Esprit manifeste ta présence dans chacune des vies. Sebayagira nyanamayo bekeli gelena. Saint-Esprit. Nisenu. O immense kalabayo nono sovorni. Sans toi ne pouvons absolument rien faire. Esprit de vie. Merci pour ta présence. Comble et rassasie ton peuple ce matin. Ligaraba para masoro voro odo shere de mana. Tu ne regardes pas notre errance. Oh Seigneur, nous sommes là. Oh matiga mbeya. Nous sommes là, Seigneur. Mbeya matiga. Les voici devant ta face. Alléluia. Oh inama sara manana. Odebere nanka. Paka no speedo. Nangiri Mengoro, nous nous sommes inquiétés de notre futur, de notre avenir, de nos lendemains, de la fin d'année, du nouvel an. Nous nous sommes inquiétés de notre vie familiale, de notre vie professionnelle. Nous nous sommes inquiétés. Qu'allons-nous faire maintenant si tout a changé? Nous nous sommes inquiétés. Nous sommes devant l'inconnu. Mais toi, tu connais tout. Taka. Ouvre le futur, Seigneur, à ton peuple, à tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un attouchement de la main du précieux Jésus, je recevrai l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Qui va bientôt, oh mon Seigneur, essuyer toutes mes larmes. C'est cette onction dont j'ai besoin pleinement. Un attouchement, il te touche de la main, sa main d'amour du précieux Jésus, cette main sur ton épaule. Je recevrai et reçois maintenant l'huile de l'onction du Saint-Esprit qui va bientôt, oh mon
Console-toi ce matin, c'est cette onction dont j'ai besoin pleinement. C'est cette onction, console Seigneur. J'ai besoin pleinement. Ses larmes, il les assèche maintenant. Il essuie tes larmes. Oh ma fille, oh ne demuso, pourquoi pleures-tu encore? Mon ébé kasi tourni, mon fils, ne dengue, pourquoi tant d'angoisse? Mon aïe kanyana sisi kabotan, je suis là pour toi. Ne baya, je te tends mes mains. Ne imbolo moné boye, veux-tu te jeter entre mes bras? Iba fregaye redo ne boloa. Koma si adabara basamba rabakara bakara mahansa darara baroshole bahora. Il t'étreigne maintenant contre sa poitrine. Oh, entre dans son étreinte. Reçois la paix. Reçois le repos. La fiasro. Donne-lui quelques paroles d'amour et de repos et de confiance et d'assurance. Élève la voix. Tu es dans son étreinte par lui. Oui, Seigneur. Merci, je viens à toi. Merci pour ton amour pour moi. Merci de m'avoir accepté. Oh, merci d'avoir essuyé mes larmes. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. 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 La prière et le repos. Allah dilili ani lafia. Telle est la parole du Seigneur que nous allons avoir ce matin. Oui, matri ka kuma ye kadia mabisoro madaina. La prière et le repos. Allah dilili ani lafia. La prière délili donne le repos à l'âme. Beni lafia. La prière délili donne le repos à l'âme. Ben lafia dinima. Car elle nous permet d'épancher notre cœur devant le Seigneur. Bao alebato angandusu na ko jira matila. De lui parler à cœur ouvert. Elle nous permet de parler à Dieu, de lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à nos pères, des choses qu'on ne peut pas dire à nos mères, des choses que tu ne peux pas partager avec tes enfants. La prière nous permet de dire à Dieu des choses qu'on ne peut pas partager avec nos épouses, bien que nous les aimons.
deli bato anga fenyefo alaye ante seko minufo anforumuso e halika surambo kanu. La prière nous permet d'ouvrir nos cœurs à Dieu et de lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à nos maris. Deli bato anga kuma anfafe anka fenyefo ante seko minufo anforumuso e. La prière nous permet de parler à Dieu, d'échanger avec lui des choses qu'on ne partagerait jamais avec un ami. La prière même nous permet de dire des choses à Dieu qu'on n'avouerait jamais, même si nous étions sous torture. La prière, donc, pour qui la comprend et l'exerce, vivra constamment et continuellement dans le repos. C'est ce que le monde n'a pas que nous avons. Le monde n'a pas un tel consolateur. Le monde n'a pas un tel, donc une telle aide qui puisse vraiment le soutenir dans des moments difficiles. C'est pour cela qu'ils vont courir vers les psychologues. Puisqu'ils n'ont pas un Dieu pour parler des choses réellement enfuies au fond d'eux-mêmes, ils vont chercher un psychologue qui soit loin de la famille, loin de sa vie professionnelle, loin de ceux-là qui le connaissent et qui ont cette profession réellement d'écouter psychologiquement et d'apporter des solutions humaines. Tout compte fait, un enfant de Dieu n'a pas besoin de psychologue. Tout compte bien fait, un enfant de Dieu n'a pas besoin de psychologue. Il a un Dieu qui est Père, qui lui a donné le Saint-Esprit comme consolateur, qui lui a donné aussi des ministres, pasteur ou apôtre ou prophète ou docteur ou enseignant, pasteur apôtre tité wala kalamfa, par lesquels Dieu les communique constamment sa pensée, sa parole, si vous ne l'avez pas reçu vous-même étant à genoux devant sa face. Alabe akakuma ne akamia na gahaklina di oluminuma halika soroni au kumiri tunaka ala de la mofoye. Celui qui exerce la prière, qui vit la vie de prière, ne sera jamais stressé. Mokomi mbetama deli la kanyana maya deli la otikite na nyana sisifio. Celui qui exerce la prière, qui a une vie de prière, ne sera jamais angoissé, ne vivra jamais dans l'angoisse. Mokomi mbetama deli la kadeli ke otikite na nyana maya fio dusukasila. Ton repos se trouve donc dans la prière. Puisque cette prière est adressée à ton Père. Et ton Père qui t'a donné un sauveur. Ce sauveur qui t'a envoyé un consolateur. Ce consolateur qui est venu habiter en toi. Ce consolateur qui vit en toi tous les jours de ta vie. Ce consolateur que le monde ne connaît pas, mais que toi seul connais et qui est là permanemment. Il est donc très important que ta vie
puisse lui être entièrement consacré, entièrement donné. La prière et le repos. Ala delele ane la fia. Tu vas voir maintenant pourquoi tu n'as pas de repos. Ika kanga fam si sa muna la fia ti fe. Pourquoi tu es agité? Muna i yorolendo. Pourquoi tu es irrité? Muna i dusu kashlendo. Pour la moindre des choses. Fenfitini doron. Pourquoi tu es dans l'insomnie? Muna sno balea bela. Pourquoi la vie de murmure? Muna i ben munu munu. Les critiques. Profolu. Pourquoi? Mukoso. Pourquoi Mouna, ne vis-tu pas une vie simple? Ite nyana maya noyala. Dans Matthieu 11, le verset 28, ouvrons. Matthieu 3, tanike le verset mwani segila ango yorosoro. Le Seigneur de repos, ici, adresse une invitation à tous ceux-là sur cette terre qui sont chargés et fatigués. La fia matri be mowele la dukolo kan minu be donilembe anu segelendo. Il dit venez à moi. Ako aina nema vous tous qui êtes fatigués et chargés. Au minu be segenembe ni au donilembe. Et je vous donnerai le repos. Nebel la fia di auma. Venez à moi. Aye na nema. Vous tous qui êtes chargés. Aminu mbe doninembe. Tous qui êtes fatigués. Aminu mbe segenembe. En ce mois de novembre, ce mois de repos. Novembre kalo in la fia kalo. Donc tu dois comprendre. Ika kanga famu. Que c'est auprès du Seigneur. Et du Seigneur seul. Ani matri kelempe fe. Que tu recevras le repos que tu cherches ibe si longtemps. Ibe la fiami yinena kabini tumani ya ibe osoro. Il ne parle pas ici des gens qui sont liés par des chaînes sataniques, des chaînes démoniaques. Parce que tu n'es pas de ce nombre-là. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es dans sa maison. Il t'a arraché de la puissance des ténèbres. L'éternel Dieu, c'est ce qu'il a fait. Et il t'a transporté dans le royaume d'amour de son fils. Maintenant, c'est dans cette maison. Quand il te regarde, quand il te regarde, il te voit chargé, il te voit fatigué. Et quand il regarde, il constate que tu es là et que tu te charges de bien de choses inutiles. Même des choses réellement pour son royaume, tu en fais un fardeau. Tel Marthe le faisait. Elle voulait vraiment préparer au Seigneur. Elle connaissait certainement le goût du Seigneur. Et je ne vais pas me tromper si réellement elle n'était pas en train de faire du poisson braisé, parce que le Seigneur aime le poisson braisé. Mais elle aime ça. C'est pour ça que quand les Pierre et Jean sont sortis du fleuve, ils sont venus trouver quoi? Qu'il y avait du feu. Pierre ni Yohana nunu bole bala unana musoro unana soro tasuma menelendo. Et le poisson était dessus. Jeke tumbaka. Et il y avait du pain. Ani buru tumbaya kafe. Il a dit amené pour vous là. Ako aina na uta yesi san. Il aime le poisson braisé. Jeke yiralen katia ye. Et Marthe croyait réellement que le Seigneur, sentant l'odeur de ce poisson qui montait, elle a dit allons-y visiter la cuisine. Et ça sent bon dans cette maison. Ah, ni soyu sumakadi. Rien à faire. Foi make. Quelqu'un était là à ses pieds. Mogodotume asingro.
Il est en train de parler. Atumalaka kuma. Sa présence. Kayire yakola. Sa présence. Kayire yakola. Dans le repos. Ben la fiat. Tout ce que tu fais. Ibe fait on fait. En dehors de sa présence. Kayire ba. Kayire yakola. Ce serait de l'agitation. Onage hakli uliye. Nous allons partir à Kadjolo. Amen ata Kadjolo. À Zegwa. Ani Zegwa. À Niena. Ani Niena. Nous aurons là donc une visite extraordinaire de la part du Seigneur. Oui, c'est vrai. Ameta imatri bena boanye krenkrenyala owo tiendo. Parce que le Seigneur lui-même déclare. Lorsque deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, qu'il est au milieu d'eux, et nous allons à la frontière, et nous avons là donc des églises ivoiriennes qui seront là avec nous dans cette campagne d'évangélisation, des églises burkinabées qui seront là dans cette campagne d'évangélisation. Et ce n'est pas parce qu'il y a un projet qui a mené donc un fonds financier d'évangélisation des frontières que nous partageons ensemble pour faire ce travail. Projet de nanani qui va être ma foi faut moussaka et qui va être ma foi mais faut diamana ou frangela que c'est pour la cause du Seigneur Jésus Christ, pour des gens même qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, mais à cause de la personne de Jésus nous nous retrouvons là. Je crois sincèrement que le repos nous sera accordé en ce lieu pour accomplir l'œuvre que nous devons faire. Abekera matika kanuya ko son ametara moro no fe anteminu do amadelika ominuye ndale ndo ala kajea ko matrie la fiami ngofo abodi. Mais si réellement l'activité primaire dans notre vie plus que la communion avec lui, ngani para fanga boyana anga nyana mala katime plus que la relation avec lui, katime afe tamaka, alors cette grande œuvre sera une œuvre d'agitation. Car la communion avec lui passe avant le ministère. La relation avec lui passe avant le ministère. Le face-à-face avec lui passe avant le ministère. Il nous a dit depuis longtemps de travailler, de ne pas chercher des titres, mais pour autant, notre travail va nous donner les titres. Restant dans la communion avec lui, c'est lui qui te dira plus tard, mon fils, ma fille, voilà ce que tu dois faire. De quoi es-tu agité? Mon frère, ma soeur, es-tu agité par ta vie professionnelle? Chargé, angoissé? Manque-tu de repos? Il y a certaines personnes, dès qu'ils entrent dans leur bureau ou bien dès qu'ils viennent au service, le cœur saute, on dirait qu'il veut sortir de la poitrine. Il y a certaines personnes aussi, quand ils quittent le travail pour venir à la maison, dès qu'ils voient le portail de leur maison, le cœur bondit. C'est comme si le cœur veut sortir de leur cœur. Ils ne veulent pas entrer là. Cela arrive aussi à des croyants. Ils sont obligés d'aller à l'église. Ils viennent dans l'église, mais dès qu'ils sont au portail de l'église, leur cœur bondit en dehors d'eux. Même si ce n'était pas obligé, ils n'y viendront point. Ils n'y viendront point. Et cela peut être fait aussi avec un frère, une soeur. Dès que tu vois le frère, dès que tu vois la soeur, tu manques soudainement de repos. Et tu as hâte de quitter ce lieu, de quitter sa présence. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te charge? Le Seigneur t'invite. Il nous invite. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut faire manquer le repos aussi? Une ambition mal placée, un désir mal placé,
t'ôtera certainement le repos. Satan au ciel, quand il s'appelait Lucifer, il avait une ambition mal placée. Il voulait monter au-dessus de l'Éternel, du Dieu Très-Haut, mettre là son siège. Et cela lui a causé la précipitation. Une ambition mal placée, un désir mal placé peut t'ôter le repos. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a bien des défis à relever en fin d'année. Il y a bien des grandes choses dans lesquelles nous voudrions entrer dans le nouvel an. Mais c'est comme si l'ennemi a attendu les derniers moments de l'année pour amener réellement toutes les montagnes, toutes les forêts et tous les déserts devant toi. Et qu'il a placé encore devant toi, au milieu de ces forêts, au milieu réellement de ces montagnes, de ces collines, il a placé là des mers rouges et des Jourdains. Alors, et tu te dis, c'est impossible. Mais c'est pour cela, comme l'avons dit dans la semaine, le Seigneur nous accordera le 31, le réveillon du 31, c'est à traverser de la mer rouge. Tu entreras dans tes promesses. Tu prendras possession de ton héritage. Tu connaîtras le repos. Tel que cela a été dit à Israël. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Vous mangerez des fruits dont vous n'avez pas planté les arbres. C'est là où coule le lait et le miel. Un pays de délices, de repos. Mais cependant, certains ont dit, là ne coule pas le lait et le miel. Dommage. Le dimanche passé, après le culte, un frère m'a donné ce témoignage. Il dit, pasteur, je t'avais appelé le vendredi pour te dire que dimanche, je ne serai pas là. Je dois aller quelque part et prêcher dans une autre église. On m'a invité à y aller. Mais je ne peux pas aller sans te demander donc la permission, sans avoir ton aval. Je lui ai dit, c'est une bonne chose. Il faut partir et ma bénédiction t'accompagne. Le dimanche matin, j'étais surpris de le voir assis dans l'assemblée encore. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après quoi ça a passé? Mais quand il est venu dans le bureau, il me dira, pasteur, je ne suis plus parti. Parce que dès l'aube ce matin, avant même que je me lève pour prier, j'ai eu un songe. Et je voyais des matelas qui tombaient du ciel les unes sur les autres. Des matelas qui tombaient les unes sur les autres. Je me suis dit, Neko, qu'est-ce que cela veut dire? Au courrier mouillé. Il s'est rappelé que le pasteur avait déclaré que ce mois-là,
C'est le mois de quoi? Le mois de repos. Aye, hakli jiga la ko, pasteur ko ni kalonye la fia kaloye. Ah si c'est le mois de repos. Ah ni la fia kalodo. Un matelas est donné à quelqu'un. Matelas bedi mordoma. Pour se reposer. Walsa ka la fia. Quand on te donne un matelas, nous, matelas de dima, tu viens d'un long voyage, ou tu viens de travailler dur, ou tu es un étranger, tu viens d'arriver. Voilà, et ici, main. Quand on te donne un matelas, nous, matelas de dima, quand on dit à la bonne ou au boy d'aller placer le matelas dans la chambre de l'étranger, qu'est-ce qu'on ajoute pour qu'il se repose? Nous, ko, barakelan chema wala musumama, kwa kata matelas bla, nange ka sokono, mbe mungke, walsa aka, la fin. Lui s'est dit, Aleko, ah, certainement quelque chose va se passer à l'église aujourd'hui. Adjele no fin do benanke église là au dos. Et il me dira qu'il a téléphoné à l'église là où il devait aller prêcher le matin, le dimanche matin même, pour dire au pasteur là-bas, pasteur, tu m'excuses, hein, je ne pourrais pas venir. Ako aye téléphoné tu au église pasteur matunga kanga tawajul kayorom na ko pasteur hageto da ya fama neti segana. Quand il était là, il était assis. Il voulait savoir ce qui allait se passer quand même. Et voilà, lorsque le message a été donné, le repos, la responsabilité du leader. Et qui fut couronné par un temps réellement d'imposition de main par mon épouse et moi. Ni au punchera ni bolodale ni frumuso ani ne fait. Parce que le Seigneur nous avait mis à cœur quoi? Quand nous avons regardé l'assemblée, c'est quand vous regardez l'assemblée, quand vous regardez les gens qui entrent dans l'église, beaucoup de gens y entrent, ils ne sont pas convaincus de la présence de Dieu. Quand tu les vois entrer, on dirait qu'ils sont forcés d'entrer dans une prison. Ils ne sont pas à l'aise. Et cela démontre que leur vie est une lutte. Et que bien des choses les manquent. Et nous voulons que le peuple de Dieu puisse connaître le repos. Le peuple de Dieu puisse prospérer. Le peuple de Dieu puisse être comblé de toutes les promesses. Nous prêchons la parole des très bonnes choses. Mais pourquoi le peuple de Dieu n'entre-t-il pas dans ces choses? Nous avons dit au Seigneur, mais pourquoi? Tu as ton bébé. Les seins sont remplis de lait. Si on fallait nos dila, tu lui donnes d'autres laits aussi. Il peut non avoir d'ama. Tu lui donnes des semoules. Il peut semoules d'ama. Tu lui donnes des carottes braisées. Il peut carottes. Braise des carottes, ouais. Il peut carottes d'ama. Tout ce qu'il faut. Fin fait kakanga ke. Pour nourrir cet enfant là. Ouais, mais l'enfant reste chétif. Ngadem pasalentora. Ça inquiète tout parent. Quand un pasteur regarde une assemblée, tu es avec des membres depuis un certain nombre d'années. Tu ne vois pas de changement spirituel dans leur vie. Tu ne vois pas de changement social dans leur vie. Tu ne vois pas de changement matériel dans leur vie. Tu ne vois pas de changement financier dans leur vie. Tu ne vois pas de changement dans leur état de santé. Quelque chose ne va pas. Fendo belinte. Tu ne peux pas rester indifférent à cela. Si tu es un vrai leader, toi seul ne peux pas être dans le repos en tant que chef de famille et que le reste de ta famille soit réellement dans la misère, dans les désordres, dans les ennuis. Sinon, tu seras comme ce chef de famille qui, en sortant de la maison, donnera 200 francs comme prix de condiments. Et lui-même, il va à la dibiterie toute la journée. Mais tu es inconscient là. 200 francs binani de condiments. Nasongo. Toi-même, tu as la dibiterie. Et ben dibiso là.
Mais de telles personnes, quand ils viennent, ils sont à l'aise dans la famille. Est-ce qu'on a mis mon eau dans la toilette? Est-ce qu'on a fait mon petit thé? Les dibis rongent là-dedans. Les autres qui n'ont rien réussi, ils s'en foutent. Un pasteur ne peut pas rester. Quand tu as une brebis, tu l'observes une année, deux années, trois années, cinq années, l'année de la grâce. Tu ne vois pas de grâce. Quelque chose ne va pas. Soit dans ton ministère, soit dans la vie de la personne. Et il est temps que l'un et l'autre tournent la face vers le Seigneur. Pasteur doté se kasiki initaraba do benyongo vesangele sanani sandurufu nema san yele malmake atika nyena mayala soa gele ya be pasteur fanve wala otana bata fanve ikakanga wili kajo flala krenga kanga nyeshi alama. Alors tu te mettras en cause. Olaini renyinga. Toi d'abord. Eh reflo. Avant de mettre les brebis en cause. Sonika nyinga lise denaboma. Et alors le Seigneur te parlera. La matrice na kuma ife. Il te conduira. Ni nyemne. C'est de là qu'il nous a montré ce tableau de Jésus avec les disciples. Otola ayeni nyengera na diama Yesu na kakalande. La grande foule était là. Yama batumei. Tous ces disciples là sont des pasteurs. Kalande nunu mbetu ni pasteur. Les Pierre, les Jean, les Jacques et autres. Pierre ni Yohana ni Yakobo. Les douze sont tous des pasteurs. Ani flami nunu tumba ko lu betu. La foule qui suit Jésus c'est l'église. Yama mitu tigele no Yesu ko e église. Voilà, donc les disciples et même constaté que la foule a faim. Afle kalande uire jateminé ke ko kongo be jamala. Ils ont vu que la foule a soif. Uyaye ko minoro be jamala. Et ils ont vu aussi que le soleil est en train de se coucher, bientôt il fera nuit. Uyaye ko klebalaka be soni subeko. Personne ne pourra bouger. Moshite na seka tayola. Personne ne pourra se mouvoir. Mashite na seka lama. Et regardez leur prière. Ukadeli laje. Ils ont dit à Jésus, o Yesuma, il faut les renvoyer. Ubla kata. Pour qu'ils aillent chez eux. Walsa ukato ukaso. Parce que vraiment ici là, donc bientôt le soleil va se coucher. C'est comme cela qu'ils font beaucoup de leaders. Il faut les renvoyer. On se débarrasse des gens. On s'éloigne des gens. On leur fait trouver eux-mêmes la solution. Ça, c'est pas la responsabilité d'un leader. C'est pas la responsabilité d'un chef de famille. Des chefs de famille qui laissent les enfants eux-mêmes d'aller régler leurs affaires à l'école. Va chercher à t'inscrire. Va demander au maître ceci, cela. Va faire ceci ou cela. Vous-même, qu'est-ce que vous faites? Demisons hier que t'as école qu'on y en a pas. T'as eu quatre heures sabbati. T'as maître ni n'engana bête en bête. Eh, hier ben mon équerra. Jésus a dit. Yesuko. Regarde-les. Oulaye. Combien de jours ils sont là? Bien clé joli. Vous voyez, aye, aye. C'est pour ça qu'il faut regarder une brebis que tu suis, il peut être qui vient à l'église, une année, sangele, deux années, sanfla, trois années, regarde, alaye, quatre années, sanani, cinq années, sanduru, ça déchire de la grâce, nema et tu ne vois pas de changement, tu dois voir que quelque chose ne va pas. Il y a quelqu'un qui a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit,